Bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis toujours en vacances dans le Gers, en famille. Je me repose, je me ressource et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, pour parler lecture, donc au cours de ces derniers jours, j'ai lu deux ENC Charleston. Enfin, en réalité, j'ai lu une ENC Charleston et j'en ai abandonné une autre. Alors, pour parler de celle que j'ai lue. Il s'agit de Petit meurtre à Endgame. Le pitch, grosso modo, il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Lily. La maman de Lily est décédée quand elle était jeune, quand elle était enfant, elle devait avoir une dizaine d'années. Sa tante, Liliana, vient également de mourir. Chaque année, quand elle était enfant, chaque année, Liliana, qui est passionnée de poésie et d'énigmes et tout ça, au moment de Noël, elle organisait une espèce de jeu de piste comme ça, avec des énigmes à élucider, qui amenait à un autre indice, une autre énigme, pour finir sur un coffre contenant les jouets les cadeaux de Noël. Donc de la génération de Lily avec elle et ses cousins. Cette année, Liliana, avant de mourir, a organisé un dernier jeu de piste, une dernière chasse à l'énigme et aux indices. Donc elle a un peu contraint. Enfin, beaucoup contraint Lily à y aller. En gros, là, le vainqueur de ce jeu de piste gagnera, héritera du domaine familial d'Endgame. Lily n'en a que faire de cette maison qui lui rappelle finalement des souvenirs pas forcément très, très joyeux avec le décès de sa mère, puisqu'elle est décédée là-bas. Mais Liliana promet à Lily. Non pas juste de remporter Endgame, mais aussi elle lui promet de lui glisser des indices parmi ce jeu de pistes-là qui lui permettront d'élucider le meurtre de sa maman. Parce que pour Liliana, sa mère ne s'est pas suicidée comme cela avait été dit et montré à l'époque. Mais pour elle, elle a été tuée. Donc, elle va glisser comme ça des indices pour permettre à Lily d'élucider le mystère entourant la mort de sa maman. Lily va donc aller à Endgame au moment de Noël pour retrouver ses cousins. Ce roman se passe dans un huis clos, donc au sein de ce domaine familial d'Endgame. Voilà, on va se retrouver en plein cœur d'un jeu de pistes. Et en fait, au-delà des énigmes et du jeu de pistes auxquelles vont devoir se prêter les personnages, l'autrice a organisé aussi un jeu pour les lecteurs. Du coup, j'ai trouvé que c'était assez sympa cette idée-là. La lecture est du coup assez ludique. Et j'ai trouvé ça assez chouette et plutôt agréable. La plume est sympathique, ça se lit facilement, c'est plutôt addictif hein, parce que le fait d'avoir comme ça des énigmes que les personnages doivent déchiffrer, ça nous donne nous aussi envie de tenter de comprendre un peu ce qui se passe et de jouer avec eux. Donc c'est assez attractif. J'ai trouvé ça hyper chouette, ça se lit très bien, très vite. Le seul hic pour moi, c'est que j'ai compris très vite, tout de suite, qui était le coupable, grosso modo. Je ne vais pas vous spoiler ce qui va se passer, mais voilà, il y a un coupable. Et voilà, j'ai percé le mystère assez rapidement, alors. J'avais pas forcément toutes les explications, mais ça a un peu entaché le plaisir du coup que j'avais de lire ce roman puisque j'avais déjà une grosse partie des éléments assez rapidement.
Il est classé cozy mystery. Alors oui, d'accord, il y a une enquête qui n'est pas réalisée par un policier ou je ne sais qui. Donc bon, cozy mystery, ok. Moi, je l'aurais pas forcément classé là-dedans, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça a été une lecture plutôt agréable. Alors, c'est pas du tout un coup de cœur, mais franchement, ça se lit vraiment bien et c'est plutôt sympathique. L'autre lecture l'autre ENC Charleston que j'avais à lire, c'était Les filles du Nouveau Monde. Alors là, comme ça, je ne sais plus de quelle autrice c'est. Pour pareil, hein, pour Petit Meurtre à Endgame, je sais plus non plus de quelle autrice c'est. Je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc Les filles du Nouveau Monde, sur le papier, ça avait l'air chouette. Alors, j'ai pas lu la quatrième de couverture, qui en plus, d'après ce que j'ai compris, spoil beaucoup, 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 parce que après avoir lu genre la moitié du roman, on n'a toujours pas toutes les infos qui sont dans la quatrième de couve. Et ça, moi, c'est pour ça que je lis de moins en moins les quatrièmes de couverture, parce que bien souvent, je trouve qu'elles spoilent beaucoup trop, et ça m'énerve, moi. Bref, donc je ne l'avais pas lu, mais certaines lectrices sur la scène en ont parlé en disant que voilà, que ça spoilait vraiment beaucoup. Donc sur le papier, quand ça commence, on se dit que ça peut être sympa parce que ça nous parle de la Salpêtrière. C'est un roman qui se veut comme ça, un peu historique. Et je trouvais que du coup, l'idée, le contexte pouvait être très très sympathique. Mais ça l'a pas fait du tout. Alors je suis pas allée très loin, honnêtement. J'ai lu une bonne cinquantaine de pages. Non, j'arrivais pas du tout, j'accrochais pas, j'adhérais pas, j'avais pas du tout envie de retourner à ma lecture, j'avais qu'une envie, c'était de fermer le bouquin et de passer à autre chose. Et j'aime pas en fait ce sentiment-là d'obligation. J'avais pas envie en fait de me forcer à le lire parce que ENC Charleston et parce que deadline et parce que obligation. Non, j'ai pas accroché. Si j'étais allée au bout, j'aurais peut-être rendu un avis catastrophique, alors que c'est peut-être juste une question de timing, parce qu'en réalité, là, je sais pas tellement expliquer ce qui a pêché pour moi et ce qui a fait que ça n'a pas marché, que ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas, en fait. Et c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être juste une question de timing. C'était peut-être pas le bon moment pour moi de lire ça. Je sais pas. Alors, peut-être que j'aurais envie d'y retourner et de retenter de lire ce roman d'ici, je sais pas, quelques semaines ou quelques mois. Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, là, clairement, c'est pas le bon moment. J'ai pas adhéré. Et je peux pas vous dire beaucoup plus que ça parce que j'ai lu tellement peu de choses de ce roman que je vais pas me risquer à dire quoi que ce soit d'autre. Il y a des lectrices Charleston qui ont aimé. Donc, au moment de sa sortie, je vous renverrai sur les comptes qui parleront de ce roman-là pour que vous puissiez vous faire une idée un peu plus objective parce que là, voilà, je ne peux pas dire grand-chose, moi. Et donc après ça, alors j'avais encore des ENC Charleston à lire. Il y a notamment un roman de Clarisse Sabar que je dois lire pour très bientôt, pour le 22, on est le 16. Il me reste 4 jours. C'est un roman de Noël. Donc, je vais le lire assez rapidement. Mais en fait, j'avais besoin d'un break. Après l'abandon là du NC, je m'étais dit, bon, j'ai pas envie d'embrayer là sur le Clarisse Savard comme ça, je suis pas dans le bon mood. Donc, j'avais envie d'autre chose. Si bien que je suis partie sur celui-ci, Arpenter la nuit de Leila Motley aux éditions Albin Michel. C'est un roman de la rentrée littéraire de chez Albin Michel qui me tentait beaucoup. Pour le coup, j'avais lu la quatrième de couverture. Ça me tentait pas mal. Je crois que je vous l'avais déjà lu, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais malgré tout la relire. Alors, Chiara, 17 ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble d'Est Auckland. Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et la prison. Si Marcus rêve de faire carrière dans le rap, sa sœur se démène pour trouver du travail et payer le loyer. Mais les dettes s'accumulent et l'expulsion approche. Un soir, ce qui commence comme un malentendu avec un inconnu devient aux yeux de Chiara le seul moyen de s'en sortir. Elle décide de vendre son corps, d'arpenter la nuit.
Rien ne la préparait à la violence de cet univers, et surtout pas à la banale arrestation qui va la précipiter dans un enfer qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un roman à la beauté brute, porté par la langue à fleur de peau de Leila Motley. Eh ben oui, alors, on nous parle d'un roman à la beauté brute, et c'est complètement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment brut de décoffrage, c'est une lecture difficile, parce que le sujet se veut difficile, mais c'est, au-delà d'être un roman dur, c'est poignant, c'est percutant, parce que la plume et les propos sont très très justes, très authentiques, et en même temps livrés de façon abrupte. Alors j'ai pas du tout terminé, hein. J'en suis là, j'en suis page 175. Et j'aime beaucoup, je trouve ça. En fait, il y a comme ça des romans où on a l'impression que, il y a une urgence à raconter une histoire. Et en fait, c'est un peu ce que je ressens avec ce roman-là, c'est-à-dire que c'est tellement un sujet fort, engagé et difficile et c'est raconté avec une sorte d'authenticité comme ça qui est bouleversante. Donc bon, le pitch, enfin la quatrième de couve raconte quand même bien ce qui se passe, hein. Grosso modo, on est avec une jeune femme de 17 ans qui s'appelle Chiara. Son père qui a fait de la prison est aujourd'hui décédé. Sa mère est partie également, elle, en prison. On va apprendre un peu ce qui s'est passé et le pourquoi elle se retrouve là, et c'est bouleversant. Ben malheureusement les dettes s'accumulent, il y a un loyer à payer. Chiara, elle a 17 ans, son grand frère, lui, il a pas de job, il est juste passionné de rap et il a envie de percer là-dedans. Et bah Chiara, elle fait des petits boulots, elle a quelques heures comme ça qui lui permettent de gagner un peu d'argent, mais pas suffisamment en tout cas pour payer le loyer et pour payer les courses et compagnie. Et puis voilà, il y a une nuit où bah, une espèce de malentendu va la précipiter comme ça dans un espèce d'engrenage, et elle va se dire que bah oui, mais en fait le seul moyen là de réussir à gagner un peu d'argent et de leur permettre de survivre, ça va être de vendre son corps et de se prostituer. Et elle va sombrer là-dedans, dans cet engrenage-là. Au début, elle va se dire que voilà, que c'est que du sexe et que c'est qu'un corps et que voilà. Et puis, ben, plus les choses vont avancer, et plus ça va être difficile pour elle. Voilà, je vais pas en dire plus parce que je veux pas spoiler la totalité du roman quand même. Mais en tout cas, c'est vraiment. C'est un roman qui peut pas vraiment laisser insensible, je pense. Qui en tout cas, moi, me touche. Et voilà, alors j'ai encore la moitié à lire. Initialement, j'aurais aimé le terminer aujourd'hui parce que il y a les ENC, parce que le propriétaire, le 1, 2, 3, le propriétaire nous a passé, à moi et à ma mère, un roman que j'ai très envie de lire et qu'il faut que je termine, donc que je lise avant de partir d'ici, et je pars dans 3 jours, dans 2 jours. Donc ça va être un peu tendu. Donc voilà, je vais quand même essayer de le terminer je vais lire là cet après-midi, je vais lire demain matin, et je vais essayer de terminer ça pour enchaîner sur le roman que le propriétaire nous a passé, qui est un roman de Tatiana Harfel, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, parce que le propriétaire m'avait passé un autre roman de cette autrice-là qui se passe dans l'univers de la psychiatrie. Et donc là, l'autre roman que j'aimerais lire, c'est le tout premier roman de Tatiana Harfel, et il semblerait qu'il soit incroyable. Ma mère l'a déjà lu et elle a dit que c'était probablement un des plus beaux romans qui lui a été donné de lire là cette année, enfin cette année, en tout cas ces derniers temps. C'est un des plus beaux romans qu'elle ait pu lire. Donc voilà, j'ai encore plus envie de le découvrir à mon tour.
Je vous en reparlerai évidemment quand je m'y mettrai, et en attendant, je vais aller me replonger dans celui-là pour le terminer assez rapidement, et je vous en dirai des nouvelles. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, et je reviens très vite pour vous parler de l'avancement de mes lectures. Bonjour, me voilà rentrée de vacances. J'ai retrouvé mon chez moi, j'ai retrouvé mon décor, ma bibliothèque. Je n'ai pas du tout eu le temps, enfin, je n'ai pas du tout pris le temps de vous reprendre depuis la dernière fois dans le Gers avant mon retour. Voilà, j'ai voulu profiter des jours qui me restaient là-bas. Mais donc je reviens aujourd'hui pour vous parler des lectures que j'ai découvertes depuis. À commencer par ce roman, Arpenter la nuit, de Leila Motley, chez Albin Michel. Donc, j'avais commencé à vous en parler juste avant. Enfin, pour moi, c'était il y a quelques jours, pour vous, c'était il y a quelques secondes. Alors, je ne vais pas repitcher le roman parce que j'en ai déjà dit beaucoup, mais je l'ai terminé et ce roman m'a bouleversée. Il est incroyable. Et en fait, ce qui est assez bluffant, c'est qu'il y a des moments comme ça qui sont hyper doux, presque un peu poétiques, et il y a des moments où c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus brut. Et je trouve ça assez remarquable. Le sujet est forcément très fort, criant de vérité parce que ça part quand même d'un fait réel. Et en fait, ce qui est remarquable, et c'est quelque chose que je ne savais pas et que j'ai découvert il y a quelques jours dans une vidéo que Louise a publiée où elle parle des romans de la rentrée littéraire qu'elle a découvert, et elle parle de ce roman. Et en fait, je ne savais pas, et je l'ai appris grâce à Louise, donc merci Louise, l'autrice a 19 ans, et elle a écrit ce roman quand elle en avait 17. Et alors, écrire un roman comme ça, de cette façon-là, à cet âge-là, je trouve ça bluffant. Ça m'a scotché. C'est incroyable d'être aussi juste, aussi précise et aussi brute. Enfin, c'est hyper compliqué en fait de décrire vraiment ce que j'ai ressenti à la lecture de ce roman. En tout cas, j'ai adoré le personnage de Kiara qui fait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle peut faire pour survivre, pour juste survivre. Ça la propulse dans un engrenage comme ça, dont elle a du mal à se défaire par peur, entre autres, par facilité peut-être. Mais en tout cas, ce qu'elle fait, elle le fait pour... Voilà, c'est juste une question de survie et c'est aussi pour protéger ceux qui l'entourent et ceux qu'elle aime. Voilà. Et elle fait preuve d'un courage et d'une résilience qui m'ont épatée. Cette demoiselle est incroyable. Et ce roman est incroyable. J'ai beaucoup aimé. Je ne peux que vous recommander de foncer. Il est sorti il y a quelques jours.
Je ne sais pas si au moment où sortira cette vidéo, ma chronique sera déjà parue. Peut-être. Je vais peut-être la publier cet après-midi. Il faut que je l'écrive encore. Je ne l'ai pas encore fait. Bref, voilà. Et cette couverture, on en parle ou pas? C'est canon. Enfin, moi, quand j'ai reçu le programme Albin Michel, j'ai complètement craqué pour cette couverture. Quand j'ai lu la quatrième de couve, je me suis dit waouh, ok. Et je ne suis absolument pas déçue en ayant découvert ce roman. C'était le premier roman dont je voulais vous parler. Le second, qui est également un roman de la rentrée littéraire de chez Albin Michel, le tout dernier, Amélie Nothomb, Le Livre des Sœurs. La quatrième de couverture ne nous dit rien, comme d'habitude avec cette autrice. Grosso modo, le pitch. Alors, il y a un couple, dont je ne me souviens même plus du nom, Nola et Jérôme. Bref, c'est un couple d'amoureux qui est fusionnel comme pas possible. Leur entourage a même un peu de mal à comprendre qu'on puisse être aussi amoureux et aussi fusionnel. Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce qu'ils sont jaloux? Bref, probablement un peu des deux. Et ils vont leur suggérer d'avoir un enfant. Voilà que Tristan naît. Et Tristan, dans tout ça, qui arrive parmi ce couple, se sent vite un peu de trop, cette pauvre enfant, et elle va développer des compétences incroyables en un temps record, c'est-à-dire que à 2 ans, la gamine sait parler, comprendre ce qu'on lui dit, écrire quasiment, je sais plus à quel âge elle sait écrire, mais ça arrive très tôt, genre 2-3 ans. Ok, why not? Là-dessus, arrive un autre bébé, une petite sœur pour Tristan qui s'appelle Laetitia. Tristan va aduler cette petite sœur et va être très présent, va être un peu comme une mère finalement. Donc dans ce roman, il est question d'un amour hyper fort, de sororité. Et en ça, c'est beau, parce que la relation qui unit Tristan à Laetitia est incroyable. Et ça m'a beaucoup touchée. Après, c'est un avis assez mitigé que j'ai parce que c'est ultra perché. Enfin, je veux dire, une gamine qui sait lire, écrire et compagnie à 2 ans. La gamine est en CP et en fait elle a un niveau presque de collégienne. Ouais. En fait, je sais pas, ça m'a laissé un peu perplexe. J'ai trouvé ça super perché et complètement pas réaliste en fait. Et le truc, c'est que je sais pas quoi m'attendre avec les romans d'Amélie Nothomb parce que j'ai pas de recul avec cette autrice. Le seul roman que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'est Soif. Et en fait, j'avais aussi été décontenancée, même si je trouvais l'exploit de faire parler Jésus dans ce roman assez culotté et plutôt très bien fait. Est-ce qu'elle est tout le temps perchée comme ça? Ou pas, je sais pas. Bref, avis mitigé. Alors après, j'adore la plume d'Amélie Nothomb et le roman se lit hyper bien et c'est agréable à lire et tout ça, mais juste le contenu. Alors au-delà de la relation, des relations entre tous les personnages d'ailleurs qui sont assez, c'est assez sympathique en fait. Mais moi, quand il y a un truc comme ça qui paraît, je sais pas d'où elle a sorti ça. Mais en fait, à 2 ans, tu peux pas savoir lire et écrire. Enfin, à un moment donné, je sais pas, ça me laisse perplexe. Donc, en soi, il est beau ce roman. Voilà. Hein, on sent que je sais pas trop quoi en penser en réalité. Bon, bref, je vais pas aller plus loin dans mes explications. Voilà pour mes lectures et donc après j'ai entamé, alors je tenais absolument à lire le roman
de Tatiana Harfel, je sais plus le titre. Je sais plus le titre, son premier roman que le propriétaire nous avait prêté, mais je n'ai pas du tout eu le temps. Je me suis bien rendu compte que je n'aurais pas le temps de le lire, donc je ne me suis pas plongée dedans. Et tout simplement, je l'achèterai. C'est pas grave, j'irai l'acheter. Et de toute façon, quand un roman me plaît, j'ai envie de l'acheter. Donc potentiellement, si j'avais complètement été scotchée par ce roman, je l'aurais acheté. Donc voilà, je vais juste aller me le procurer et je le lirai quand j'aurai un peu de temps. Et donc à la place, j'ai commencé l'ENC de Clarisse Sabar, d'un roman de Noël qui sortira je sais plus quand, en octobre-novembre. Je sais plus le titre non plus. Je vous l'écrirai en barre d'infos. Hein. On va faire ça. Alors j'en suis à plus de la moitié et j'aime beaucoup. Alors c'est facile comme histoire, mais en même temps un peu comme tous les romans de Noël, et c'est aussi pour ça qu'on aime les romans de Noël. Voilà, c'est une jeune femme qui vit aux États-Unis, qui a sa famille qui vit en France. Son mec la plaque, elle perd son boulot, et elle revient passer les fêtes de Noël en France, dans sa famille, dans un petit village de je ne sais plus où. Des Alpes ou je sais pas quoi, une petite station enneigée, si je puis dire. Et voilà, et elle a une jumelle avec laquelle elle est très fusionnelle malgré les années de silence qui les ont séparées. Elle a une grande sœur pareil qu'elle adore, des parents qui ont l'air incroyables. Et la voilà. Propulsée dans ce petit village et ça a l'air d'être un peu Miss Catastrophe, c'est-à-dire qu'il lui arrive tout le temps des choses voilà, enfin, Miss Catastrophe, c'est-à-dire qu'elle c'est ouais Miss Catastrophe quoi, je vais pas chercher un autre terme, c'est bien ce terme Miss Catastrophe, bref. Voilà, je vais pas en dire plus pour l'instant, je vais attendre d'avoir terminé avant de vous dire ce qu'il en est. En tout cas, j'aime bien la façon dont il est écrit, ça se lit très bien, très vite, c'est agréable et c'est un peu particulier de lire un roman de Noël en plein mois d'août, mais pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard pour commencer les romans de Noël. Voilà, donc je vais terminer celui-ci aujourd'hui, je vous parlerai de ça dans le prochain vlog parce que là je vais le clôturer maintenant ce vlog-ci pendant quelques instants. Donc je vous parlerai de mon avis de façon plus complète dans le prochain vlog. Mais en tout cas voilà, je prends beaucoup de plaisir à lire ce roman-là. Et je vais terminer en vous présentant les réceptions. Tout ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres depuis mon départ en vacances, et il y a quand même eu pas mal de petites choses. J'ai rien préouvert, sinon c'est pas drôle. Alors, le premier, c'est, oula, pardon, Les Inconfidents de Tatiana Harfel, que j'ai lu donc pendant mes vacances parce que le propriétaire me l'avait prêté. J'ai énormément aimé cet ouvrage, donc voilà, j'avais forcément envie de me le procurer, de le glisser dans ma bibliothèque, et d'ailleurs je l'ai même commandé en double parce que je vais l'offrir. Voilà, donc ça c'était la première chose qui a atterri dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai quand même prévu les ciseaux, donc je suis pas complètement nulle. J'ai reçu Les Loups-garous d'Argentine de Jérémy Wulck, publié chez HarperCollins. C'est Jérémy qui me l'a gentiment envoyé parce que voilà, j'étais allée au salon Poil Artifice au Touquet en juillet. Il était présent, je n'ai pas acheté, je n'ai rien acheté lors de ce salon parce que j'étais en no buy.
Et voilà, et Jérémy m'a contacté sur Instagram et m'a gentiment proposé de m'envoyer son roman pour que je puisse le découvrir. Et voilà, et donc merci pour la petite dédicace. Merci Jérémy pour l'envoi de ce roman. Je vais le lire assez rapidement, je pense. Et voilà, et je vous en reparlerai le moment venu. Ensuite, ça, c'est quoi? Ah oui, trop cool. Le Tatoueur d'Auschwitz, chez J'ai lu. C'est un roman de Heather Morris. Heather Morris, dont j'ai lu. Je retiens jamais le titre parce qu'en fait, il a changé en cours de route. Les sœurs d'Auschwitz. Je crois qu'au début, c'était trois sœurs. Donc, comme le titre a changé, voilà. J'avais eu le plaisir d'aller à une rencontre avec Heather Morris en juin. Bah oui, en juin, c'était au moment du salon Saint-Maur en poche. Et cette autrice est incroyable. Elle nous a longuement parlé des autres romans qu'elle a publiés, notamment du Tatoueur d'Auschwitz. Impossible de ne pas avoir envie de le lire en écoutant Heather Morris vous en parler. Donc voilà, merci les éditions J'ai lu pour ce roman. Je sais pas quand je vais avoir l'occasion de le lire, mais bientôt parce que vraiment j'ai trop envie de le lire. Je pense qu'il va se lire vite en plus, il y a 300 et quelques pages. Oh, trop bien! Ensuite, c'est un roman qui nous vient des éditions Michel Lafon. Ouh, j'adore cette couverture. La loterie de la vie. J'adore. Je suis en train de me dire que je ne vous ai absolument pas lu les quatrièmes de couverture. Je vais le faire. Hein. Je vais d'abord vous parler de celui-ci, hein, et puis après je vais vous lire la quatrième de couverture des romans précédents. La loterie de la vie. Alors. C'est de Milton O. Walsh. La quatrième de couverture nous dit: Une petite ville de Louisiane voit son quotidien bouleversé par l'installation de la DNA Mix, une étrange machine qui, pour la modique somme de 2 dollars et grâce au pouvoir de l'ADN, promet de révéler le plein potentiel et les talents de chacun. Entre questionnement, désir secret, rêve de gloire et réalité, les habitants de Deerfield devront apprendre à défier les prédictions et compter sur la solidité de leur communauté pour reprendre le contrôle de leur propre destin. Ça me tente. Ça me tente beaucoup. Bon, en même temps, je ne l'aurais pas réclamé si ça ne me tentait pas. Donc ça, c'est trop bien. Ça, je vais le chouc, le mettre dans ma pile urgente. Alors. Le roman de Jérémy. Et si vous découvriez que votre famille était construite sur un mensonge, pardon. Flic émérite, Arnaud Chimansky connaît pourtant une mauvaise passe à la suite d'une bavure. Sur la sellette depuis plusieurs mois, il tente de sortir la tête de l'eau. Or, quand on lui annonce le décès de son grand-père, c'est le coup de grâce. Véritable héros, rescapé d'Auschwitz, amateur d'art, le pilier de la famille vient de disparaître. Afin de soutenir son père, Arnaud vient prêter main-forte pour vider la maison du défunt. Il y trouve d'abord de mystérieux carnets dont il ignore s'ils sont écrits de la main de son grand-père, avant de faire une découverte plus surprenante encore et affreusement dérangeante. Déterminé à percer les secrets de son aïeul, Arnaud profite de sa suspension pour prendre rendez-vous avec l'histoire. Trop bien. Trop bien, ça me tombe trop. Et donc, ben voilà, c'est tout trouvé, parce que Auschwitz, Auschwitz, bim! Pas mal, bravo Jérémy. Le tatoueur d'Auschwitz. L'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer. Sous un ciel de plomb, des prisonniers défilent à l'entrée du camp d'Auschwitz. Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués sur le bras. C'est Lal,
un déporté qui est chargé de cette sinistre tâche. Il travaille le regard rivé au sol pour éviter de voir la douleur dans les yeux de ceux qu'il marque à jamais. Un jour pourtant, il lève les yeux sur Gita, et la jeune femme devient sa lumière dans ce monde d'une noirceur infinie. Ils savent d'emblée qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Dans cette prison où on se bat pour un morceau de pain et pour sauver sa vie, il n'y a pas de place pour l'amour. Ils doivent se contenter de minuscules moments de joie qui leur font oublier le cauchemar du quotidien. Mais Lal fait une promesse à Gita. Un jour, ils seront libres et heureux de vivre ensemble. Oh, mon Dieu. Je continue. Un gros colis qui nous vient de chez Dupuis. Je sais plus. Je sais plus du tout. Oh, beaucoup de jolies choses là-dedans. Alors, Merelle de Clara Lodowick. Je ne me rappelle plus que j'avais demandé ça. Bah, je peux pas en dire grand-chose parce que. Oh, c'est reflet, désolé. Voilà, ben, on en reparlera quand je l'aurai lu. Je vais quand même enlever ça. Je me rappelle tellement plus. C'est longtemps. Je vous montre l'intérieur, les planches. Bon, bah écoutez, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, parce que là, je peux pas vous dire grand-chose par rapport à ce roman graphique. Ensuite, Aphrodite de Nadja. Pareil, hein. Oh. Alors, bon ben, pareil, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. C'est marrant parce que je ne me rappelle pas du tout avoir demandé si. Oh là là, je vais tout faire s'effondrer. Je me rappelle tellement pas. Game over! C'est le tome 21. J'en ai déjà un ou deux dans ma bibliothèque. Ça me fait marrer, ces trucs-là. Ça me fait rire à chaque fois, c'est franchement. Bref, voilà, Game Over. Je sais pas si tout le monde connaît Game Over, mais c'est chouette. Oh, c'est trop chouette. Je n'avais jamais fait gaffe. À la fin, il y a un truc. C'est un peu comme Où est Charlie, sauf qu'il faut trouver. L'avatar de Kick Paddle et la princesse. Bref, voilà, je m'amuse à rien. Et ensuite, il y a Outlaws, le tome 1, le cartel des Sims. Alors, ça nous dit Espace confédéré, année 2779. Un vaisseau arrive en vue de l'astroport de Lougmila. À son bord, un chargement de clandestins, échappés de leurs planètes respectives et forcés de travailler pour le cartel qui a organisé leur passage, le terrible clan des Sims. Parmi ces hors-la-loi, une mystérieuse humaine taciturne et têtue, seule représentante d'une race méprisée pour avoir été la dernière à intégrer la Confédération. La jeune fille va se trouver parachutée au cœur d'une lutte de pouvoir sans pitié. Bah, je me rappelais pas du tout l'avoir demandé non plus. Voilà. Je vous en dirai plus également quand je l'aurai lu. Bon, franchement, je vais les lire vite, ceux-là. Bon, des petites BD, ça va toujours bien aller. J'aurais dû préouvrir celui-là. Je sais ce que c'est. C'est le petit rendez-vous mensuel.
Et puis toujours une fermée à ouvrir. Voilà, vraiment. J'ai sorti mes muscles. Ça y est. Alors, ce sont mes romans éternels des éditions Cranford. Chouk. Alors, volume 45, 46, 47, 44. Donc, ce reflet. Silas Marner de George Eliot. Je ne connais absolument pas. Le premier. Ensuite, La Coupe d'Or, tome 1 et tome 2, de Henry James. Okay. Et Les New Yorkaises de Edith Wharton. Ça, j'en ai déjà entendu parler. Mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Enfin, j'en ai déjà entendu parler. J'ai déjà. Voilà quoi. Vous m'avez compris. Voilà. On est bon. J'ai tout ouvert. Ça fait pas mal de nouveaux romans dans ma bibliothèque. Je vais vous laisser là. Je vais aller me replonger dans le doux roman de Clarisse Sabar. Je vous en dirai plus très bientôt. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche, une très belle semaine. Et prenez soin de vous.